on va habiter ici. Maintenant, tu es devenue ma femme. Comme je t'avais dit depuis Madagascar que Mayotte, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai rien du tout. Maintenant, ma femme, c'est toi. Mes enfants seront avec toi, bien sûr. Mais une chose, rassure-moi que toi, tu m'aimes, s'il te plaît. Oui, je t'aime. Tu es sûre et certaine? Oui, je suis sûre, je t'aime. Mais une chose, il faut que je te précise dès maintenant, là. Hein? Moi, je travaille. Oui. Mais moi, la plupart du temps, je suis de permanence. Oui, mais ne t'inquiète pas. Je serai toujours avec toi tous les jours. Sauf que parfois, je ne pourrai pas dormir ici. Bien sûr, c'est le boulot d'abord. Parce que si moi, je ne travaille pas, ça veut dire que toi, tu ne pourras pas avoir tes besoins. Je comprends. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. C'est bien. Juste ça. Oui. Mais avec toi, avec moi, sois-en sûr que tu seras une fille heureuse. Ok? Oui. Viens là, ma chérie. Dis-moi. Oui. Est-ce que tu es sûre que tu m'aimes? Et oui, je t'aime. Tu es sûre? Oui, je suis sûre. Pourquoi tu ne me crois pas? Non, parce que moi, j'ai besoin d'être heureux avec toi. Oui. Vraiment heureux. Mais moi, je t'aime. Il ne faut pas que je sois surpris un jour. Je t'aime. Montre-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Oui. Allez. Bon. Oui. Comme on dit chez nous, Waminawa ou Pakampakani. Ça veut dire toi et moi jusqu'à tant pis. Ok, bon. Je crois que je ne vais pas rester longtemps parce qu'il faut que j'aille bosser. Et je te laisse là un moment. Oui. Et je t'appellerai et je reviens dans. Bon, disons dans une heure ou dans deux heures de temps comme ça, ok? Ok. Tu es chez toi, on est chez nous, ok? Ok. Anna. Allez, viens, on fait comme ça. Il faut que j'aille là où on mange bien, là où on dort bien, là où on oublie tous les soucis, là où il y a des belles nanas, des belles aventures et des belles plages. Pense à ton pays, pense à tes Mon ami, oui. Le voulet m'a donné envie d'aller danser ce soir en boîte. Danser ce soir en boîte. Ami, je sais on bien. On va aller en boîte ce soir, s'il te plaît. Je sais bien qu'on est en quinte. Fin d'année, 1er janvier, mais je sais pas. Réveillons. En boîte, on va se réveiller en boîte. Je sais pas ce que je vais dire à ma femme. Ma femme ne va pas accepter ça, que je pars en boîte. Hey, regarde-moi et écoute-moi. Elle ne veut pas accepter ça. Regarde-moi et écoute-moi. Oui. Est-ce que toi, tu crois que ma femme va accepter que j'aille en boîte? Je sais non, pas, elle c'est va ta accepter. Femme, je sais pas. Mais ma femme ne va pas accepter Retiens ça. Retiens ce que je te dis là. Oui. Retiens très bien ce que je vais te dire. Oui. Toutes les femmes sont faites pour être menties. Ah bon? Toi, tu crois que je vais dire la vérité, ma femme? Tu vas dire je vais quoi, dire femme, à ma chouma que je suis de permanence ce week-end. Ah bon? Je vais parler avec mon collègue de travail, tu sais. Oui. Je vais juste dire à mon collègue que si jamais ma chouma appelle au boulot ou m'appelle, oui. C'est pas que mon collègue confirme que je suis de permanence basse, elle va accepter. Parce que ça, c'est une histoire de travail, elle va accepter, tu vois. Donc, va mentir à ta femme, on va aller en boîte. Si j'ai ma femme, elle va accepter. Elle va accepter. Oui, elle va accepter. Moi, ce soir, je veux boiter en boîte.
Mon ami, oui. Je vais mentir à ma femme. Va mentir à ta femme. Je vais dire à ma femme que je travaille ce soir. Voilà, tu as je tout compris. Je travaille ce soir. Écoute, oui. Tu as tout compris. C'est pour ça. Tape là. Ah, je vais dire à ma femme encore, troisième fois. Hey. Je vais dire à ma femme que je travaille ce soir. Bon, on va aller danser d'abord. On va danser, ne t'inquiète pas. Voilà, après ce soir, on va finir en boîte. On va se finir en boîte et les femmes, elles dorment. Elles vont croire qu'on est au travail. On va s'échauffer pour ce soir. T'inquiète pas. Allô.